Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir au sein des espaces de la Donation Granville pour vous présenter des œuvres incontournables de nos collections, la célèbre série des footballeurs de Nicolas de Staël. Nicolas de Staël est un artiste russe qui s'est installé en France au début du XXe siècle et qui était un ami intime des époux Granville, ce qui explique la présence de ses œuvres au sein de nos collections. La série des footballeurs tire son origine de la soirée du 26 mars 1952, durant laquelle l'artiste s'est rendu avec sa femme au Parc des Princes à Paris afin de voir se jouer le match de football nocturne entre l'équipe de France et celle de Suède. Aussitôt le match terminé, de Staël, envoûté par ce qu'il a vu, s'est directement mis à peindre sur le thème du football en s'inspirant des photos de presse pendant tous les jours qui suivirent dans son atelier. Au-delà de retranscrire sur la toile l'émotion que l'artiste avait ressentie lors de cet événement sportif, la série des footballeurs a été l'occasion pour lui de renouer avec la figuration et de se libérer d'une abstraction qui était devenue peu à peu réductrice. En effet, depuis le début de l'année 1952, début de l'année de la réalisation de cette série, l'artiste avait déjà peint des natures mortes ainsi que des paysages, et la série des footballeurs a véritablement été l'occasion pour lui d'apporter des personnages figuratifs à son œuvre. Ici, pas de musculature avantageuse, mais du mouvement, de l'élan, de la matière peinte avec vitalité au couteau et des masses colorées qui viennent traduire l'énergie qui s'est dégagée de cet événement sportif. Les éléments du match, comme le ballon, les joueurs, les éclairages ou encore les tribunes, deviennent de francs aplats de matière qui viennent souligner les jeux de contraste chromatique entre les maillots bleus, noirs, les shorts blancs, le gazon tantôt vert foncé, tantôt rouge vif, ainsi que l'arrière-plan nocturne du stade. Le thème du football n'est pas anodin pour Nicolas de Staël, puisqu'il pratiquait lui-même ce sport en amateur étant plus jeune. C'est également un thème très prisé par nombre d'artistes du début du XXe siècle, période durant laquelle la représentation des loisirs sportifs s'est démocratisée dans l'art. C'est ainsi que se termine cette visite. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous et j'espère qu'elle vous aura donné envie de revenir au musée découvrir de nouvelles œuvres.